aussi un petit peu la fresque qui nous a servi de base de travail pour définir nos irritants et derrière imaginer les solutions et les idées qui pourraient lever ces irritants. Les irritants qu'on a formulés sous forme de cartes nous ont permis d'établir nos problématiques sur lesquelles on a pu faire sortir nos idées tout au long de la journée. Les ID Makers, c'est un système de jeu de cartes qui nous a été présenté. Donc les cartes sont au nombre de 3. On a les pratiques de hacking, on a les challenges et les méthodes de travail. Ça nous a permis de mettre en évidence de nouvelles pratiques qui nous permettent de contourner les problèmes qu'on a rencontrés en fait. 3 minutes, il nous faut 4 idées, 3 minutes. Allez. Le pitch dating, ça a été le moment que j'ai préféré, parce qu'on a présenté nos idées, on a eu le feedback et ça enrichit à chaque fois notre idée initiale. Le prototypage, c'est essayer, se planter, recommencer et finalement trouver la bonne voie pour aboutir à une solution à partir d'une bonne idée. Il y avait une appréhension au départ de sortir de cette expérience sans avoir d'idées concrètes. Et on se rend rapidement compte que vu le dispositif qui est mis en place, le séquencement et l'encadrement, finalement il y a plein d'idées qui sortent. Il faut se laisser porter par le process et puis là on arrive déjà à un ensemble d'idées innovantes. Parce qu'en fait le plus important c'est ce qui va se passer après le jam. Je vous invite à rejoindre nos stands du site et pour y aller c'est simple. Les oranges. Donc ces deux jours m'ont apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de fun et surtout des rencontres avec des collaborateurs d'ITG innovants et créatifs. Du coup voilà, je conseille vivement à toutes les personnes qui veulent découvrir une nouvelle façon de travailler de s'inscrire à la prochaine session tout simplement. Le jam, c'est plus qu'un concept, c'est un moyen pour augmenter la productivité autour des idées. Est-ce que c'est pas naturel de dire on en parle? Je veux dire, j'ai un truc qui va te concerner, mais je t'en parle avant que tu le découvres. Bravo, jammer de l'IT BNP Paribas. 48 heures pour sortir 4 projets qui seront tous retenus et développés au sein de la banque pour contribuer à la digitalisation de l'entreprise. Bravo à tous.